Bonjour, je m'appelle Anastasia Kusila, je suis un jeune reporter de Collège Carré 2. On est en voyage en Paris, bon, en métropole, pour un challenge jeu officiel. Et là, on est à Paris, on est en train de visiter la Tour Eiffel et on a monté jusqu'au deuxième étage. Et on est allé aussi visiter la Tour Cadéro. Et voilà, bonjour. Bon, on est en Normandie. Et avec les autres académies, on vient de faire connaissance. On va s'installer. Après ce soir, il paraît qu'on a un cours d'orientation. Et voilà, bonsoir. Il fait froid d'enfer. Bonsoir, il est minuit. On veut juste de rentrer. On était au repas des régions à l'espace Mandela, en Normandie. Et il est minuit, comme vous le voyez. C'est la fatigue qui règne, tout ça. C'était cool. En fait, on a découvert beaucoup de choses, beaucoup de spécialités, et c'était cool. On a fait une petite danse de cette soirée merveilleuse en fait. Et comme vous le savez, les activités sportives qu'on a fait ce matin, c'était l'handisport. L'handisport, c'est un genre de basket, mais on le fait en fauteuil roulant. On se met dans les pots des handicapés en fait. Et on réalise le dur travail qu'il fait tous les jours, être assis dans le fauteuil, et ça nous fait ressentir qu'il souffre. Il ne faut pas se moquer d'eux, parce que eux aussi ils souffrent de ne pas pouvoir être aussi comme nous et de faire des choses comme nous on fait. En fait. Et eux, l'handisport, ça leur permet d'être un peu ouverts au monde et se sentir aussi intégrés. Et du coup, on s'était vraiment dans cette rôle qu'on a aussi senti la difficulté qu'ils ont dans toute leur vie en fait. Parce qu'il y a des handicaps que ça ne se soigne pas et c'est comme ça. Et bonjour. On était excités, hein? Ben, aujourd'hui c'est vendredi et c'est la journée de conférence. C'est la journée de conférence. En fait, on va découvrir des champions d'athlétisme comme Frédéric Banguet, ancien athlète et fondatrice du magazine Salto, Jean-Baptiste Allais, 4 fois champion du monde de saut à longueur en disport. Ça, c'est énorme. Arnaud Bidel, directeur régional de service UNESCO. Et on va tous les rencontrer. Et bon, c'est la conférence, on va y aller, on va savoir ce qui va se passer. Et on va remettre aussi le prix. Bon, on ne sait pas si on a gagné ou pas, mais bon, c'est excitant de savoir que la semaine est bien passée, on a bien s'amusé et c'est l'essentiel. Et c'est tout ce qui compte.